Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo d'ouverture de deux tripacks Astre. Non, pas Astro Radieux, Origine Perdue. Donc les deux différents avec les deux promos, donc le Jimoré et le Régigigas. Les deux petits jetons donc qui sont pareils. Donc on va se faire notre première ouverture de ces deux tripacks là. En espérant donc compléter un peu la collection. Donc là on en était à 33 cartes sur 200 et quelques. On va voir si on va réussir à packer quelque chose. Hop. Alors, le petit code promo pour ceux qui veulent. Donc on a un Gardevoir Shiny. Bah lui je me rappelle toujours pas de son nom. Et un Zoroark Gishui. Donc on va se les faire dans cet ordre-là, je pense. Donc le petit jeton Canard Tichot qu'on connaît déjà tous. La petite sleeve pour la Dimoré. Hop, donc ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire du coup que vous avez vu du coup pendant le haul que j'ai fait la dernière fois. Donc on va voir hein, si on pack quelque chose de bien ou pas. Donc le petit Dimoré promo, voilà, avec le petit jeton et donc le deuxième. Et du coup après, ça sera parti pour une ouverture de 6 boosters. 6 boosters Origine Perdue. Ah, dans le deuxième, on n'a pas de Gardevoir Shiny. On a donc le Zoroark Gishui. Un petit Giratina, c'est pas mal du coup ça. On va le garder pour la fin de Giratina. Et du coup, voilà. Hop, hop, le petit code promo, le deuxième. Voilà. La petite sleeve pour le Régigigas. Et donc le deuxième jeton. Qui forcément va avec Régigigas. Hop. Donc voilà les deux cartes promo de ce petit tripack. Bon, ça reste des très belles cartes. Elles sont holo. Voilà. Alors, on va se commencer, on va se faire les deux petits Zoroark. Hein. Vous misez sur quel tripack, celui de droite et celui de gauche? Moi, je partirai sur le petit Gardevoir Shiny. On va espérer qu'il nous porte un peu chance. Sachant que si on tombe sur un petit alternatif de Giratina, ça pourrait être pas mal aussi. Ça pourrait être une très belle prise. Un très beau hit. Après, bah déjà, ça commence mal. Code blanc. Donc, code blanc. Hop, le petit code. 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui ne se rappellent pas, en fait, dans certaines séries de collection Pokémon, l'encadré, quand il est blanc, ça veut dire que du coup, le paquet est moins prometteur. Alors que quand l'encadré comme ça, il est noir, du coup, c'est un peu plus prometteur et on a plus de chances d'avoir un bon tirage. Donc, énergie combat, Pifeuil, bras de remontoir, Ariyama, Liputou. Barbantua Dichui, Makuita, Archéomyr en mode dessin, Hexadron, Capidrex en reverse et un Porygon Z. Donc, normal, pas de gros hit. C'était un code blanc, on aurait pu avoir une petite TG, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on va faire le petit concurrent, Zora Dichui du paquet de Régigigas. Hop. On en est donc à 2 boosters sur 6. Encadré noir. Donc là, vous voyez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je vous disais, donc comparé à tout à l'heure, là on a un encadré noir. Et avant, on avait un encadré blanc. Du coup, encadré noir, le petit code. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout ce principe-là, parce que du coup, ça spoil le booster. Bon, moi, j'avoue que ça me dérange pas des masses. Énergie combat, bah c'est marrant, comme dans le booster précédent. Cardus, Chafouine, Mademoiselle, Liputou, Funessir, Misterbe, Love Disc, Hexadron, Rongirou, Rongigrou, Rongiou, j'y arrive jamais avec celui-là, en Reverse,
et un Golgopath en holo avec les petits effets d'origine perdue. Donc bon, une rare. Je crois que je l'ai pas non plus déjà, vu que c'est forcément la deuxième ouverture que je fais. Donc bon, après là, c'est pas forcément important qu'il y ait du hit qui tombe ou pas, vu que c'est une nouvelle collection que je commence à faire. Donc forcément, il y a des cases à remplir, et donc il y a des cartes un peu moins rares à avoir. Donc on va dire que là, c'est pas trop trop dérangeant. C'est pas comme la précédente vidéo du coffret Evoli où 8 boosters, un hit et un hit que j'avais déjà quoi. Là, effectivement, c'était un peu plus embêtant parce qu'on n'a pas pu remplir la collection. Donc, du code blanc, le petit code promo 1, 2, 3 et 4. Hop, donc énergie électrique, Orchid, Tritosaur, Smarteus, Petitard, Scorplane, Mucuscule, Mistibule, Limagma, Ariyama et un au massacre. Ah là 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 là! Ça sent pas très bon là, on arrive à la moitié là. Il n'y a toujours pas de hit de sortie, hein. Toujours pas de hit. Normalement, le taux de drop, il est plutôt intéressant en plus dans les tripacks, là, je comprends pas. On va pas s'avouer vaincu aussi facilement. Code blanc. Hop, le petit code. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc, énergie, acier. Mélancolux. Capidextre. Pompe à dégâts, Rocabo, Polichombre, Otaria, Machoke, Pikachu, Lugulabre en reverse, et toujours rien, un frison. Un frison. Bon, bah on va miser tout sur les deux derniers. Donc, on est à 4 boosters d'ouvert, 0 hit. Et donc, après, on va dire qu'ils peuvent nous porter chance. Sachant que là, on a fait 2 Orua. Et deux, je sais plus comment il s'appelle là, celui-là là. Du coup, là, on a les deux qui se démarquent du tripack. Est-ce que ça pourrait être un indice pour un hit potentiel? Ça serait quand même pas mal du coup, les deux derniers hits, les derniers boosters de hits. Ah, je vais même garder le radieux pour la fin, je pense. On va fausser le tirage. Je vais commencer par la droite. On va commencer par Giratina. Ah, je sais pas, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Allez, on va faire Giratina, code blanc. Bon, voilà, ça c'est fait. 1, 2, 3, 4. Donc, énergie feu. Après, on peut avoir une très belle TG qui peut sortir sur un code blanc. Hein. Attention. Hein. Mais bon, c'est plutôt au bonheur la chance. Cléodôme, Hypocéan, Sévipère, Brocélôme, Simularbre. Dynavolt, Love Disc. Oh, vous imaginez la TG Ronflex. TG Ronflex. Scorplane. Et non, Simularbe en reverse. Ah, elle est très belle la carte. J'aime beaucoup. Et Mimiki. Donc pas de hit sur ce tripack Régigigas. Et voyons voir du coup le dernier Gardevoir radieux. Pas de hit, pas de radieux. Walou, heureusement. Ah bah voilà, ça sent bon. Donc bon, est-ce que le hit sort sur ce dernier booster? Encadré noir, petit code. 1, 2, 3 et 4. Et là c'est le suspense pour le dernier tirage. Donc, énergie plante, spectrum, tétarte, coup de langue, titar. Mistherbe, Kaninos, Granipiote, et Magma. Ah là là. Donc là, on a une TG potentielle. Et non. Donc Melofée en reverse et. Et rien du tout! Un Pantagruel de Hisui en holo, c'est tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, on aura des nouvelles cartes dans la collection. Pas de hit, mais des nouvelles cartes. Donc voilà, pour ce tripack. Donc dans les autres vidéos qui vont arriver, donc il y aura une deuxième ouverture de tripack origine perdue, il y aura le TB origine perdue donc avec 8 boosters,
En bonus, ouais. Et en bonus, je pense qu'on va se faire ce petit booster de Gardevoir Shiny. Et c'est vrai qu'il y aura aussi, du coup, ces très jolis Tiny Cube dans une prochaine vidéo aussi. Donc on fera les trois d'un coup, histoire de comparer quelle énergie aura le plus gros taux de drop. Et ouais, donc du coup, en bonus. Pikachu? Oh, bah j'ai pas mis le téléphone en silencieux. Je vous présente ma sonnerie. Et en bonus, du coup, on va se faire ce petit Gardevoir Shiny. Ouais, histoire de quand même tenter un petit quelque chose, quoi. Franchement. Là, on se le fait en bonus. C'est cadeau. Merci, Loulou. Hop. Code blanc. Bon. Voilà. Allez, oh, ah déjà là il y a un bon présage. Ah, effectivement, des fois il n'y a rien, mais en général ça tombe assez souvent. Donc là on est code blanc avec une carte V-Star. Donc ah, on va voir, on va voir. Donc l'énergie V-Star, boîte à désastre, Colimucus, Lampérois, Zoruya de Hisui, Sepiatope, Barbantua de Hisui, Liputu. Makuta, donc Volcaropod en River, c'est normalement du coup rien. Voilà, Rhinastock. Bon, bah voilà. Tant pis pour cette vidéo. Il n'y aura pas de hit. Il n'y aura que des nouvelles cartes dans le classeur. Et bah du coup, on va espérer d'autres petites sur les prochaines vidéos à venir. Et puis n'oubliez pas de regarder en commentaire du coup combien de nouvelles cartes ça me fera sur la collection. Parce que du coup, je vous mets en commentaire à chaque fois combien de nouvelles cartes ça fait. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec les copains, les copines, les amis et tous ceux qui sont fans. À la prochaine!